Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti pour l'épisode 2 de Lego Marvel Super Hero qui est disponible sur Nintendo Switch. Donc si t'as pas vu le premier épisode, bah go le voir. Voilà. Encore une belle cinématique pour changer. Là, franchement, j'ai kiffé le jeu. Je trouve un maximum de briques cosmiques. Ça avance de mon côté. Il faut que ça aille plus vite. Voilà à quoi j'en suis réduit, à devoir faire appel à de misérables mortels pour mes projets. Quoique son trône et sa face en métal sont sympas. Directeur Fury, Reed Richards est ici. Mister Fantastique en personne. T'as trouvé quelque chose sur la brique cosmique que je t'ai envoyée? En fait, j'ai besoin d'aide. Est-ce que Tony Stark est dans les parages? Il travaille sur autre chose, mais il y a un autre Avenger ici. Le premier Avenger, si je puis me permettre. Y connais-tu quelque chose en mécanique quantique théorique et en source d'énergie nano-dérivée? J'ai eu 20 sur 20 en histoire des États-Unis. Directeur Fury, on a la confirmation que d'autres briques sont tombées dans l'océan. Hill, il nous faut un sous-marin du SHIELD pour récupérer ces briques cosmiques. Je veux des réponses. Captain, accompagne Reed Richards au Baxter Building et aide-le. Je pourrais vendre des obligations de guerre. Oh, Hill, une dernière chose. Pour le déjeuner, commandez-moi un kebab. Stark connaît une bonne adresse. Ah, la petite touche d'humour qui est à l'intérieur, du côté Lego, c'est vraiment intéressant. C'est pas platonique, c'est pas scénarisé, voilà, on est un Lego, on va refaire l'histoire. Il y a une petite touche humoristique qui apporte un petit plus au jeu. Messieurs, retournez immédiatement au Baxter Building. Le directeur Fury veut un maximum d'informations sur ces briques cosmiques. On a débloqué Captain America et Mr. Fantastic. Allez, y'a là. Ah. Allez, c'est parti. Puis d'aller là. Il faut carrément bip. D'accord. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Pourquoi pas. Ah. Ah, je suis pas bon, ah, je suis pas bon. Ah, là, je vais l'avoir. Oui, je l'ai eu là. Parce qu'il y a quelque chose en bas, on dirait. Oh oh, le fan club des 4 fantastiques est de passage. Ça, c'est sympa, ça, par contre. Qui te chute comme ça là. Oui, allons voir. Super sympa. D'accord. J'ai sur A pour ralentir. Ah bah voilà. Tu disais de demander. Mister Fantastique peut se faufiler à travers les grilles pour atteindre d'autres zones. Ah bah c'est parti. Appuyez sur A. Ah bah ouais. Effectivement, comme ça c'est beaucoup plus pratique. Ce n'est pas normal. Le système de sécurité doit être défaillant. Laisse-moi passer, je vais tenter de trouver un moyen de fermer ça. Nous voici en direct du Baxter Building, le quartier général des héros préférés de Manhattan, les 4 fantastiques. Il semble qu'il y ait eu effraction. Oh, certains ouais. Témoins auraient entendu un énorme bruit en provenance du toit. La chose serait-elle tombée en sortant de la douche? Ou une menace va-t-elle frapper Reed Richards et ses acolytes? Restez avec nous pour la suite des événements. Ah. Du coup, on va construire quelque chose. Tu peux changer de forme pour nous aider ici. Ok, donc on appuie sur A. Ah ouais, nickel.
astucieux. Est-ce que de là je vais pouvoir... Je sais qu'il y avait un truc à faire là-haut, mais... Il va vouloir me le lock, hein. Non, il va pas. Il y a un truc là. Là, sur le mur, on n'a pas quelque chose qui puisse s'emboîter. Oula. C'est excellent, hein. Là, je peux rien faire pour le moment. Ouais. Mais ça doit pas être moi là. Ça doit pas être pour moi. Je ne pense pas. On se concentre, on va y arriver. Voilà. Et on appuie sur Y. Je martèle le bouton Y. Ah, je vais pouvoir monter quelque chose. Encore une défaillance ? Non, je sais pas si c'est lui. Malheureusement. Ah ? Mais j'aimerais savoir qui est en train de l'utiliser. C'est Captain America. Captain America. Hop. Mais non ! J'ai rien fait ! Ah oui, je peux faire comme ça. Ok, donc là je m'enferme le bouton. Voilà, comme ça c'est fait. Et j'ai récupéré quelques trucs. Oh, le tout c'est de se remettre dedans. Hein. Wow. Les 5 derniers étages du Baxter Building abritent le QG des 4 Fantastiques. Aucun plan précis des lieux n'existe, car Reed Richards revoit sans cesse la disposition de ses labos. Docteur Octopus. Docteur Fatalis, ici le Docteur Octopus. Je l'ai trouvé. Pendant la cinématique, quel est votre méchant préféré dans cette série? Dites-moi-le dans les commentaires. Octopus, anéantissez-les! Ah bah non, je suis pas d'accord. Ces misérables créatures ne m'arrêteront jamais. Arrête, Octavius. Tu tires vraiment sur la corde, là. Faire un peu de... Ça va pour nous aussi. Je sais pas si je peux aller le chercher. Oula. À l'attaque. Tu t'enfuiras pas avec ces pièces, Octopus. Ah, je vais y arriver, hein. Ah, j'en vois partout, moi. Ok, il est où, lui? Ah, bah, il est là-haut. Je vais le chercher là-haut. Tout simplement. On va y aller. Ah, celui-là. Avec les 4 fantastiques. Allez. Non. D'accord, je suis un tournevis maintenant. Oh, beautiful, un tournevis. Ouais, faut y penser. Ok. Magnifique laboratoire, Dr. Richards. Ah oui, effectivement. Pour un intellect si inférieur. Ah bah non. Allez, Octopus, directement. Mais non! Il faut que j'y aille maintenant. Au revoir. Non. Oh, c'est pas du jeu là! Puis évidemment, ils vont m'attaquer. Il se dirige vers le toit. Poursuivons le capitaine. Ouais, par là, ça va être compliqué, je crois. Je crois que ça va être compliqué.
prends rien là. Hop. Ah, je peux pas. Ok. Donc là, on entend. Ah, là, il y a un truc à monter. Nickel. Du coup, là, c'est pour. Histoire. Apec. Évidemment, lui, il va y aller sans problème. Assez facile à manier celui-là. Même si, personnellement, je préfère Evil que Lily. C'est bon, l'info pour tout le monde. Allez, là, je me rappelle le bouton A. Et du coup, ça va me permettre de construire quelque chose. Ok. Ah, il manque encore des trucs. Et là, c'est un truc pour Captain America. Enfin, je crois. Ah, c'est même sûr. Captain... Ah bah oui. Ok. Effectivement, il peut traverser les flammes si je mets mon bouclier... Ah ouais. Comme ça. C'est tellement plus simple comme ça. Il m'aura dit avant. Et voilà, un truc magnétique. Du coup, il va falloir emmener le truc dans le... Dans le truc, quoi. Ok, là... c'est lequel qu'il faut, si c'est lui ou si c'est lui. Hop, c'est vraiment parfait. J'adore m'étirer en me levant le matin. Bon, c'est assez intuitif, il y a un petit peu de recherche, mais voilà, c'est pas non plus énorme. Du coup, ça reste super. Ah, mais par là toi. Par contre, cette caméra, ouais, elle me saoule. Hein. Elle me saoule, cette caméra. Ok. Et il est parti où, Captain machin truc, là? Oh, Captain, t'es où? Ok. C'est tout ce qu'il fallait faire. Là, ça va faire chauffer. Et du coup, je vais pouvoir me préparer quelque chose. Ou pas. Non, c'est pas ça. Ah, je vais y arriver. Si j'arrive à ça. Je pensais qu'il fallait repousser le rayon, mais même pas. Il vaudrait mieux utiliser ton bouclier. Ouais, c'est ce que je fais. Là, je vais... Hop. Et là, on va activer celui-là. Ça, ça va être fait. Et voilà. Parfait. L'ascenseur. Est-ce le plus rapide pour aller sur le toit? On sait pas, mais on verra. C'est le fantastique senseur. Et c'est plus rapide que les escaliers. Allez. Pas mal de petits QTE. Ça laisse passer le game. Et voilà. Je devrais peut-être réfléchir avant. Pas le temps. S'il s'enfuit avec ses pièces, nous risquons de ne jamais les récupérer. Oh, j'ai tout pété. Bon, comme ça, c'est fait. Mais je sais pas à quoi ça sert. Non, bah non, ça sert à rien. Je pensais avoir un truc, casser un truc intéressant, mais non. Ah, il y a un truc là-haut, là, c'est... Je sais pas ce que c'est. Bah non, c'est quoi ce barbare, là? Ah bah oui, ça on le sait qu'il faut planer au-dessus du vide. C'est fait. On va se battre un petit peu de baston.
ça va vite. Là j'appuie sur H le martel. Comme ça c'est fait. Et normalement ça devrait permettre à Captain. Ça ne sert pas à grand chose d'échelle hein. Qui était de base. Il y a un truc mais je sais pas si je vais pouvoir. Voilà, là je peux pas là. Non là il veut pas. Ça ça va être à péter alors. Voilà. Faut pas trop à quoi ça sert. Ah. C'est à pousser. Ce qui va m'aider justement. Pour Captain. Là, il y a bouche, il y a un petit bleu là. Non, il veut pas me donner. Oui, non. Rapec. Allez, on y va. On continue. Vraiment très très intéressant. C'est au plus là. Il se laisse jouer tout seul. Super maniable. En plus, si t'aimes bien jouer avec les petits personnages, t'aimes bien les Lego et tout. Le capitaine maintenu appuyé pour cibler les interrupteurs. D'accord. Là, il n'y a pas d'interrupteur. Là. On va peut-être couper le jus. Non. Ah, ça va nous servir à quoi? Ouais, voilà, nickel. Du coup, je vais pouvoir prendre l'autre. J'avais pas pensé à ça comme ça. Oula. Ah d'accord. Du coup il l'a fait tout seul. Et je pète tout là. Ça va me servir à grand chose. Pendant qu'on y est. Est-ce que j'ai quelque chose à toi? Non là il me faut celui-là là. Sur le panneau. Oh. Du coup, je vais pas me transformer en quoi? Ah, en pompe. Ah, c'est vraiment, vraiment bien cherché. Hein. Y a pas à dire. On monte là-haut. Et je sais pas à quoi ça me sert bien. Plein de trucs. À chaque fois, tu découvres ce qui va se passer. Par ici, Captain. On fait quoi maintenant? Oubliez l'ail, on le suit. Mais non, j'ai perdu comme un con. Du coup, l'autre il peut voler, c'est pour ça. Ken. Mais non. Ah ouais, je vais en prendre plein les rangs, tu m'étonnes. Ah ouais, je t'ai mis une mandale là. Mais non, te casse pas. Dès que je mets une mandale, il s'arrache. Moi aussi je veux faire ça. Allez, on les matraque. On va les matraquer. Là je suis monsieur fantastique. Hein. Donc je meurs souvent. Je préfère prendre la dose. Les petites boules là. Et on y va. Mais non mais il s'est barré. Eh, c'est un sketch ce truc hein. Pas de me suivre jusqu'ici. Ah non. Non, on risque pas non. Effectivement. On peut trouver une solution. Oula. Oh il va tomber. Oh il va tomber, je le sens bien. Ah, regarde, je vise là et tac.
Il va venir vers nous. Impeccable. Eh, qu'est-ce que tu veux de mieux? Ah, je trouve trop puissant Captain America. Ouais. Ouais, et là on voit quand même Mandal, hein, mais... Par contre, j'avais des trucs avec Hulk. Je sais pas si je les ai là. Non, je les ai pas. Ah si. Si, si, on les a. Ah d'accord. Donc là... Alors je trouve comme un père. Donc là faut que je trouve un truc magnétique. Ouais, je sais qu'il peut traverser les flammes. Mais c'est pas ce que je veux pour le moment. J'aimerais bien avoir l'autre. Ah voilà. Donc ça, ça va m'aider pour l'autre. Là j'appuie sur Y. Hop. Non mais mets-toi dessus. Et tout ça, ça fait des faux que le bouclier. Hop, pour servir d'interrupteur. Ok. Et ça va pouvoir servir à mon ami. Ah bah non, j'aurais dû le laisser là-haut. Oh, c'est vraiment mal joué, hein. Là, je ne vais pas avoir trop mal. Et il monte là-haut. Parfait. Donc lui, on va pouvoir... Il y a un truc, là. Et... Docteur Richards, c'est vraiment haut. Ouais mais c'est bon, je contrôle le truc là, t'as pas vu comment je vais contrôler. Oh je mets des mandales de partout. Eh ouais, y'a du Lego. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, je suis en train de jouer. Mais non, je suis pas d'accord. On va déjà terminer cela, après on verra. J'ai mon Captain America là. Si je veux m'en occuper. Hop. Et on monte, on monte, on monte. Donc là je martèle le bouton A. Voilà, nickel. Et je vais pouvoir aider Captain America. Super, allez on y va. Captain America pour traverser les flammes. Ouais ça je sais. Grosse mandale dans sa... Ah mais il se barre tout le temps, c'est un sketch hein. Non, je suis pas d'accord moi. Là je vais pas pouvoir... Non, c'est pas lui. Peut-être lui. Ouais. Allez, bouton A et ça va tout faire sauter. Qui les quatre fantastiques. Ah je viens par là toi. Qu'est ce qu'il peut faire mon ami 4 fantastiques? Il va se transformer en hein? D'accord. Boum. Allez hop. Oh c'est vraiment bien imaginé quand même. Faites votre boulot, je veux de la matière pour le non. Site internet net bidule là du bugle. Oui chef, le net machin. Vous savez ce qu'est la toile? Non, la toile. Oui, c'est un outil de travail très utile. Spider-Man, peut-être? Docteur Octopus? C'est un vrai docteur, non? Parce que là, j'ai mal ici, vous voyez.
Ah, dommage qu'ils aient pas gardé la visite à domicile. La vraie voix. Parker ! Parker ! Filmez-moi ça pour le site Intertruc. C'est pas compliqué, non ? Cette fois-ci, c'est les nouvelles qui viennent à nous. Vous pourriez filmer ça avec votre smartphone, JJ. Si vous saviez comment l'allumer. On va retrouver un petit peu Spider-Man. Salut les gars. Point de sauvegarde. Oula, on va affronter le méchant. Vous m'attraperez jamais. Vous perdez votre du coup, il y a du Spider-Man par là. À un moment, on va bien l'attraper quand même. Hein. Et puis le truc là qui est là-haut, qui s'est jamais défoncé, c'est abusé quoi. Ok. Heureusement que tu étais dans les parages, Spider-Man. Octopus a volé de précieux matériaux. Cario. Oui, il est un peu kleptomane sur les bords. Il sait pas quoi faire de ses mains. Hop, là on va la faire descendre. Parfait. Oh! Non. Oh, c'est abusé là. Mon sens d'araignée me chatouille. Allez, ils sont passés nickel. Mon sens d'araignée me chatouille. Encore mon sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est? Oh, vous m'aurez pas. Dégagé là. Je crois que c'est long. Eh, je suis bien paramétré. Hein. Ah, j'adore les tirs là de Spider-Man. Merde, je me trompe de bouton. Voilà. Eh. On va y arriver. Voilà. Hop, on attaque. On se renvoie du lourd là. La figurine dorée là. Ouais, je crois que je vais pas pouvoir l'avoir. Ok, donc là il y a un truc 4 fantastique. Il va se transformer en quoi? Attention. Fusée. Ok. Du coup, il y a des trucs, mais... Ah ouais. Je pensais qu'on aura pu utiliser Spider-Man, hein. Allez, on y va, les gars. Hop. En moins, on devrait y arriver. Ah, enfin le méchant. Ah, il est quand même badass, hein. Là, y'a rien. Sens de l'araignée. Ouh, petite séance. La victoire est à ma portée. Ou pas. Écraser l'araignée. Oh, quelle cruauté. Tu pourrais pas prendre un essuie-tout et me jeter dehors? Non! Octobot! Il a l'air vraiment furax. Un conseil? J'en sais rien. Tu connais Octopus mieux que moi. Oh, je me fais démonter. C'est coincé le bras dans le sol.
Profitons-en pour l'attaquer. Ah, je fais que ça de l'attaquer. Oula, ça fait mal ça. Oh, il a déjà une patte en moi. Je pense qu'on aura une fois qu'on aura pété toutes les pattes. Il a récupéré le cœur là. Il y en a partout là. C'est fou. Ah, je fais péter là. Bordel là, je voyais rien. Il a tout pété le con. Ah, deuxième bras pété. Ah, on y va, on attaque. J'essaie de l'attaquer, mais non. Faut que j'attende. Merde. Oh le monde. Oh c'est le bordel là. Là je suis là de... C'est peut-être fantastique. Hein. Là je suis Spider-Man. Hop. J'essaie de l'avoir mais ça a pas l'air d'avoir plus d'effet que ça. Bon, j'ai réussi à le toucher. Rends-toi. Le crime ne paie pas. Détrompe-toi. Ça couvre les frais optiques et dentaires. La justice a le bras long, Hawk. Tu n'y échapperas pas. Allez, lâche ça, Doc. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Non. C'est moi. Oh, le bouffon vert. Allez hop, mange-toi ça. Bon bah parfait pour ce petit épisode 2, impeccable, très enrichissant, super plaisant à jouer comme d'hab. Je pense qu'on va se retrouver pour un épisode 3 parce qu'il est super plaisant à jouer. Là du coup j'y joue en mode docké, mais je pense qu'une fois que tu l'as en mode portable c'est pareil, c'est le même délire. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé de cet épisode.